Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, nous venons d'assister à une dinguerie pour la deuxième fois en une soirée. Le Barcelone vient de se faire littéralement catapulter, exploser, punir, aller au coin, ne bouge plus. Les Barcelonais, ils sont tous partis au coin, à la queue leu-leu. Au coin, les Bayern munichois, ils les ont muniqués. Ah! Alors, la déconstruite Ada, hein? Alors, le malaise Ada, hein? On n'a plus Messi, on n'a plus Neymar, c'est fini, on n'a plus Suarez, tout est terminada. FC Barcelonada está terminada ou donde está la remontada? Donde está? Parce que depuis 2017, là, le FC Barcelone, ça coule. Le navire coule. Au secours! Il y a une fuite dans le navire, on est en train de chavirer. Oh là là, on coule sous la mer! On est dans les abysses! Eh oui, le FC Barcelone, hein? Vous nous avez traumatisés. Vous vous êtes foutus de nous. Vous avez fait des t-shirts à l'effigie de ce que vous avez fait comme traumatisme au Paris Saint-Germain. Et là, aujourd'hui, vous connaissez la descente la plus ardue que j'ai jamais vue dans l'histoire du foot. Non, ça n'a jamais été observé dans aucun élément temporel de l'histoire du foot. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Le FC Barcelone está terminada, finito, finito. Tu comprends? Vous êtes nulards, nulards, bande de nulards. Le FC Barcelone, c'est fini, c'est terminé. Déjà, premièrement, vous allez perdre une étoile sur FIFA 2022, hein? Vous allez être en mode 4 étoiles, maximum 4 étoiles et demie, parce que c'est terminé. Nous, les Parisiens, on veut bien faire un geste, parce que là, c'est vraiment trop triste de voir le FC Barcelone jouer comme ça. Bon, après, ils ont quelques petites excuses, on va pas se mentir. Ousmane Dembélé n'était pas là, il n'y avait pas Ansu Fati non plus. Donc peut-être qu'avec ces joueurs, le FC Barcelone, ça a un autre visage. On va pas cracher tout de suite sur le FC Barcelone, mais si le FC Barcelone, il continue comme ça. Oh! Ah mais non, ça y est, c'est une équipe de la Liga. C'est plus une équipe de Ligue des Champions, hein. Finito! Tu comprends? Barcelone, FC Barcelone, moi qui t'appréciais, hein? J'appréciais le FC Barcelone. Après, bien sûr, ce qu'ils ont fait avec Ronaldinho, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après, ce qu'ils ont fait aussi à Ronaldinho à la fin de sa carrière, j'ai commencé à détester le FC Barcelone. Ce qu'ils ont fait à Zlatan, à Thierry Henry, j'ai trouvé que c'était du manque de respect, tu vois ce que je veux dire? Les Guardiola, je sais pas quoi. Non, c'est devenu du n'importe quoi, le FC Barcelone, de toute façon. Moi, dans tous les cas, tout ce que je sais, je suis heureux et fier de dire que la déconstruitada du FC Barcelone a été orchestrée, menée, bâtonnée par le Paris Saint-Germain, le seul investigateur de cette déconstruitada, de cette annulation de remontada, de ce traumatisada, de ce malisada, de tout ce qui est mauvais, qui finit en da, tout ça, Nasser El Khelaïfi. Fallait pas nous mettre 6-1. Non! On met pas 6-1 à une équipe qui a des milliards. On met 6-1 à une équipe qui vient de Div 2. Mais le Paris Saint-Germain, vous nous avez mis 6-1. L'année d'après, on a acheté votre roi. Hein? Maintenant, la Pulga, elle est chez nous. Là, si vous voulez, on peut vous prêter la Pulga pour quelques matchs. Parce que là, vous faites pitié à voir. Hein? Vous voulez la Pulga? Hein? You want Messi in Barcelone for just three matchs? No. He's playing tomorrow with Neymar and Mbappé. We're going to see if he's better than Cristiano Ronaldo. Bon, je vais vous faire la traduction parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos mais qui ne savent pas que moi, Foot Jesse Soko, je parle plusieurs langues. Donc, j'ai dit qu'on pouvait prêter plutôt Lionel Messi au FC Barcelone pour 2 ou 3 matchs. Mais non, on ne veut plus. Il joue demain, hein, en Ligue des Champions. Et on va voir s'il est meilleur que Cristiano Ronaldo, qui vient de se faire lui aussi déconstruitada par Young Boys. Incroyable.